et bienvenue dans le dernier vlog de la Vlog Week. J'espère que ces 7 petits vlogs vous auront plu. Et l'avantage de faire ça un peu en décalé, c'est-à-dire pas au mois de décembre ni rien, c'est que normalement vous n'aviez pas trop de vidéos simultanées, contrairement au mois de décembre où je crois que ça pullule de tous les côtés. Heureusement cette caméra n'est pas trop grand angle parce que vous voyez tout le bazar que j'ai sur mon canapé. Hier matin, donc aujourd'hui on est jeudi, donc hier on était mercredi, Inès m'a dit on peut faire du tri dans ma chambre, il y a des jouets avec lesquels je joue plus, etc. Donc je vais tout amener chez Emmaüs. Donc je vais aller leur amener ça demain. Ce sont des jouets avec lesquels elle a beaucoup joué mais avec lesquels elle ne joue plus aujourd'hui parce qu'il y a 5 ans il y a des trucs qui sont un peu datés. Donc il faut que je m'occupe d'aller déposer tout ça demain. Ce matin, donc dépose à l'école comme d'habitude. Ensuite je suis allée faire des petites courses parce que ce soir je retrouve mes anciennes collègues pour le pot de départ de l'une d'entre elles, donc je ne sais pas combien on va être, mais l'idée c'était que chacun amène quelque chose à grignoter, donc je suis allée faire quelques petites courses pour ça. Ce matin, je vais filmer ma vidéo sur mes favoris beauté au moment où ce vlog sortira. La vidéo sera déjà en ligne, donc je vous la mettrai sur l'écran. J'ai plein de trucs dont je souhaite parler. Autant il y a des mois où, alors je fais jamais genre l'effort de fouiller pour trouver des trucs, c'est soit ça s'impose de soi-même, soit j'en parle pas. Mais là j'ai presque dû me restreindre parce que vraiment j'ai fait de très belles découvertes. J'ai juste ouvert mes placards, j'avais fait une petite liste sur mon téléphone. Souvent je fais ça au fur et à mesure de mes utilisations pour rien oublier. Et ce mois-ci, enfin c'est 2 mois parce que je fais mes favoris sur 2 mois. Et j'avais vraiment plein de choses à vous présenter. J'en profite pour vous montrer mon installation avec ce trépied premier prix qui fonctionne très bien. Et une sublime mouche morte sur le bord de ma fenêtre qu'il va falloir que j'aille éliminer. Voilà, mes favoris sont, tous mes produits sont ici et attendent d'être présentés. Je les trie, là je l'ai pas encore fait, mais je trie souvent par catégorie, visage, corps, cheveux. Vous voyez que là il y a pas mal de produits solaires, mais c'est un peu la saison qui s'y prête. Ah, et ce petit, j'en profite de l'avoir sous les yeux, ce petit trépied de téléphone. Je l'ai eu sur Amazon, mais j'essaierai de vous trouver un lien, parce qu'en fait à chaque fois que je le montre, on me demande d'où il vient. Donc je vais essayer de vous trouver ça. C'est vraiment un truc de blogueuse, hein. Je suis pas certaine que tout le monde ait besoin d'avoir quelque chose comme ça, mais je vais essayer de vous retrouver un lien. Voilà, je file filmer ma vidéo, et si vous voulez, je vous montre les coulisses après, ça peut être intéressant. Voilà, la vidéo favori est filmée. En cours de route, j'ai eu une panne de batterie, donc heureusement j'en ai toujours deux. Donc je vais la glisser dans le chargeur, et je vais la faire charger tout de suite. Et maintenant, on passe au montage. Alors, pour le montage, je passe par 2 logiciels différents. Soit iMovie quand j'ai un montage simple à faire, ce qui est le cas aujourd'hui, il n'y a rien de... Il n'y a rien de bien compliqué sur des favoris beauté, soit par Final Cut Pro. Alors iMovie est complètement gratuit quand vous avez un ordinateur de la marque Apple. Final Cut Pro qui est un logiciel payant qui coûte une petite fortune, hein, quelque chose comme 300-400 euros. Si vous faites juste du montage occasionnel et surtout pas pour un but professionnel, c'est peut-être pas nécessaire d'investir dans quelque chose d'aussi coûteux. Final Cut, je m'en sers quand j'ai des réels ou des choses sur lesquelles il faut que je rajoute du texte, etc. Parce que c'est vraiment le logiciel le plus complet. Pour faire du montage basique, j'ai envie de dire, iMovie est vraiment très correct. Et donc j'importe mes plans ici. Donc là j'ai 2 plans différents parce que j'ai dû couper au milieu de mon enregistrement parce que je n'avais plus de batterie. Donc je vais importer les 2 plans ici, les mettre dans la timeline juste en dessous et je vais commencer le montage. Donc vous voyez que j'ai 33 minutes 21 de plan. Moi quand je filme j'essaye d'être efficace, donc je lance la caméra juste avant de commencer à parler pour éviter d'avoir à faire des coupes pas croyables. Je pense qu'on va arriver sur une vidéo d'une trentaine de minutes à la fin, le temps que j'élimine tous les blancs, le moment où je fixe la caméra, que je fais mes réglages, etc. Donc je me lance tout de suite, j'en ai pour je pense une quarantaine de minutes le temps de tout faire. Et pendant que je m'écoute parler, je me mets sur mon article de blog, qui sera donc relié avec la vidéo. Donc ça c'est sur WordPress que ça se passe. Le titre, et ensuite c'est toujours la même construction pour ce type de vidéo, c'est produits mentionnés. Et au fur et à mesure, mes mails qui arrivent en même temps, au fur et à mesure les références que j'écris, et je retrouve le lien à chaque fois que je glisse, voilà, sur chaque... sur chaque produit mentionné. Je note aussi ce que je porte comme vêtements, comme accessoires, parce que ce sont des questions qui reviennent souvent et que autant que ça soit directement écrit dans la barre d'infos plutôt que de répondre à chaque personne et que l'info se perde. Pendant que je discute, je commence à remplir cette catégorie. Normalement, arrivé à la fin de la vidéo, tout est complet. Et nous voilà après montage, 28 minutes 37, donc j'ai fait quand même
quelques petites coupes. Ça, c'est un très beau plan sur mon visage. Des coupes parce que j'ai donc changé ma batterie et il y avait des produits que j'avais oublié d'aller chercher, donc il a fallu que j'aille les récupérer. Ensuite, on exporte le fichier, qualité élevée, compressé en meilleure qualité, favori beauté, suivant. Et on va mettre ça sur le bureau. Et puis il y a une petite roue voilà, qui va se lancer ici. Et pendant ce temps-là, j'ai peaufiné la barre d'infos. Enfin voilà, ce qui sera sous la vidéo, que ce soit sur le blog ou sur YouTube. Donc j'ai glissé tous les petits liens de ce que je portais, etc. J'ai fait ça pendant que je faisais le montage. Et puis j'ai aussi fait la miniature pendant ce temps-là. Les étapes suivantes, ça sera d'importer la vidéo sur YouTube. Et là, il faut que je raccourcisse un par un tous les petits liens pour faire des liens courts, sinon ça fait des barres d'infos qui font 10 km de long. Donc là, j'ai une vingtaine ou une trentaine de liens à raccourcir. Ensuite, programmer la vidéo pour une date donnée, à une heure donnée. Donc moi, les vidéos sortent le dimanche à 7h. Hormis voilà, cette semaine de vlog qui était un petit peu exceptionnelle, mais sinon j'aime bien cet horaire du dimanche 7h parce que beaucoup de personnes sortent leurs vidéos sur les coups de 10h. En les sortant à 7h, je sais que vous êtes nombreux à vous lever tôt parce que vous travaillez ou parce que vous avez des enfants qui se lèvent tôt aussi. Et j'aime bien cet horaire, je trouve qu'il me convient bien. Ouh, le facteur vient de passer, c'est les petits envois du jour. J'ai reçu un nouveau flacon de l'eau de beauté de Caudalie qui est un produit que je rachète sans cesse et donc parfois il me l'envoie aussi et je l'utilise toujours avec autant de plaisir. C'est un produit assez multi-usage dont on peut se servir pour se rafraîchir, pour parfumer, pour rincer une eau micellaire, pour fixer son maquillage. Enfin, c'est un vrai multi-usage avec une odeur très caractéristique. Donc je suis très contente d'avoir un nouveau flacon. Et alors sinon, je n'étais pas du tout au courant, je suis passée complètement à côté de l'info, mais Oh My Cream lance sa gamme de maquillage. Et là, je suis trop contente. Et ils m'ont mis sur le petit mot « Je suis ravie de te faire découvrir une partie de notre nouvelle gamme Make-up Oh My Cream Skincare, des essentiels clean, intuitifs et faciles à appliquer. La gamme se compose d'un fond de teint, d'un correcteur, d'un blush et d'une poudre bronzante ainsi que d'un mascara. On espère qu'ils te plairont. » Et ils me disent « Si tu souhaites recevoir le fond de teint ou le correcteur, merci de nous préciser ta teinte. » Donc déjà, bravo pour l'initiative de ne pas envoyer des produits qui sont pas adaptés et de laisser les gens revenir vers les marques s'ils veulent choisir leur teinte. Donc je vais voir ce que je fais, si j'ai envie de tester ça. Le blush a une teinte très intrigante, c'est pas monstrueusement pigmenté, donc c'est pas trop casse-gueule, j'ai envie de dire. Ensuite on a une petite poudre bronzante et un mascara, c'est une brosse peigne. Écoutez, je vous en reparlerai, j'ai hâte de tester tout ça. Et ils m'ont envoyé avec un coffret de pâtisserie Luna. Je sais pas si vous connaissez, j'ai déjà goûté. Ce sont des pâtisseries vegan, je crois, sans lactose ni rien. On dirait des gros, voilà, comme des gros chocolats. Et je ne sais pas quel est le goût. Je sais pas pourquoi je m'embarque à faire des trucs avec une seule main, ça n'a absolument aucun sens. J'essaye de vous trouver les ingrédients, voilà, c'est ça, noix de coco, huile de coco, sirop d'érable, sucre rapadura, chocolat noir, vanille, sel, citron, curcuma. Bref, c'est hyper bien composé et ça fait plusieurs fois que des marques m'offrent des petits chocolats ou des pâtisseries de cette marque là, donc je suis trop contente. Je viens de garer mon vélo ici, j'ai rendez-vous avec ma copine Marine chez René là-bas. C'est une super adresse pour manger. Bon là on va juste boire un café, enfin, ou peut-être une limonade avec une température pareille. Mais c'est une très très bonne adresse que je vous recommande à Annecy. C'est juste à côté du centre-ville. Le temps que Marine arrive, j'ai dévoré la dernière saison du podcast Homicide que je vous invite vivement à écouter. C'était sur la tuerie de Chevaline. J'avais l'impression que je connaissais déjà tout du dossier. Et franchement j'ai encore appris plein de choses. Donc si vous ne connaissez pas encore, allez écoutez, il y a au moins une dizaine de saisons maintenant qui ont dû sortir. Je viens d'aller chercher Inès à l'école, regardez ce à quoi j'ai échappé. Je pense qu'à 2 minutes près, j'étais sous la rafale de vent et les torrents de pluie. Donc on s'en est pas trop mal sorti. Non mais j'exagère pas, je pense qu'il y a 3 mois de pluie qui sont en train de tomber en l'espace de 10 minutes là. Je viens finir de me préparer pour partir chez ma copine pour son pot de départ. Du coup, Quentin et Inès vont se faire une soirée pyjama en bonne et due forme. Je suis allée leur acheter du pop-corn ce matin. T'es trop contente? Et chose promise, chose due, je vous parle de la petite surprise que je vous réserve depuis le début des Vlogmas. Je vous propose de remporter pas une, pas deux, pas quatre,
Cette blague est nulle. Je vous propose de remporter 3 Nerolibox en envoyant un mail à l'adresse mail que je vous mets dans la description de la vidéo, donc nerolibox@gmail.com. Dans ce mail, si vous arrivez à me dire vraiment les produits que vous adorez ou les produits que vous détestez ou les marques que vous adorez, etc. Si par exemple vous êtes aide-soignante et que vous ne portez pas de vernis à ongles, c'est le moment de me le dire dans le mail pour essayer de vous concocter la box la plus parfaite qu'il soit. Et je vous mets sur l'écran la vidéo dans laquelle je vous parle des Nerolibox. En échange de cette box remplie de belles choses, vous vous engagez à réaliser un don d'un minimum de 10 euros à une association caritative, celle de votre choix. Je vous invite à m'envoyer un mail ci-dessous si vous avez envie de participer. C'est un mail par personne et je vous contacterai du coup pour vous demander votre adresse, etc. pour pouvoir vous faire parvenir vos petits colis. Voilà, j'espère que cette semaine de vlog vous a plu. Je pense que la prochaine session de vlog arrivera au mois de décembre. Je vous embrasse, il ne s'arrête pas de faire des bêtises derrière moi. Et je vous dis à très bientôt.